Avez-vous un moyen technologique pour les localiser dans Paris? Absolument aucun. Sans problème, c'est un jeu d'enfant. Joe, tu nous sauves la mise. Je te rappelle, mon pote, ciao. J'ai leur planque. Un immeuble en construction dans le 14e. T'es sûr que c'était elle? Oh, enfin, je veux dire que c'était eux. Trois Mitsubishi noirs avec une blonde ligotée à l'arrière. Tu veux que je fasse vérifier si c'est bien elle? Ouais, non, ça va, c'est bon. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Il faut foncer à l'aéroport. Foncer, y a pas de problème. On n'aura pas d'avion avant 3 heures. Ça y est, Agda. On peut pas attendre. Il faut être réparé le plus vite possible. Il faut trouver une solution. Debout là-dedans, c'est la guerre. Ah, à moi. Mes hommes! C'est moi, c'est Daniel! Oh, Daniel! Où sont les troupes? Décimées, les troupes. Il reste plus que nous pour sauver l'affaire. Et vous avez une dette envers moi, vous vous souvenez? Affirmatif. Alors j'ai besoin de votre aide, maintenant. Daniel, j'espère que t'es sûr de ton coup là, parce que moi personnellement je le sens pas. Mais alors vraiment pas du tout. T'as une autre solution à proposer? Là, comme ça, dans la seconde? Non mais... Bon bah alors réfléchis, mais vite. Ça y est, j'ai trouvé, je pourrais descendre de la voiture là. Trop tard. Ça va les gars? Tu baignes? Alors ça, ça baigne à mort. Si vous avez le moindre problème, vous me prévenez. Ça y est, il y a un moindre problème énorme là, il y a un parachute qui lâche. Et c'est pour ça qu'il y en a trois, il y en a toujours un ou deux qui merde. Ah bah d'accord. Emilia. Ouais. T'as confirmé maintenant? Ah ouais. Alors viens, prends ma place. Daniel. Allez, bouge-toi. Je vais essayer de nous guider un petit peu. Où je vais, moi? Là-bas, tout droit. Tout droit? Eh oui, tout droit. Tout droit, d'accord. Bon, allez. Décontractez-vous. Vous sentirez mieux les choses, vous verrez. C'est bon ce que vous me faites, là, vous savez. C'est très bon. Oh, ma petite Lily, ça va? C'est qui la gonzesse qui gazouille, là? C'est une hôtesse. Une hôtesse? Non, là, elle est en infirmière. Vous êtes dans un salon thaïlandais, c'est ça? Mais non, Lily, tu y es pas du tout. On est en plein milieu du ciel. Il y a ton père qui nous guide de son avion. Emilien est au volant pendant que moi j'essaye de réparer les parachutes. Et il y a l'infirmière qui nous chante une chanson pour qu'on soit pas trop nerveux, c'est tout. Daniel, t'as fumé un arbre là, c'est pas possible. Écoute-moi bien, Lily. J'essaye de sauver Petra et un ministre japonais. Alors je te rappelle dès qu'on a atterri, ok? Possible, ça? Ça va, ma chérie? Très très bien. Non, mais c'est vrai, elle me croit jamais. Essaye d'aller un peu plus vers la gauche, là-bas. Et maintenant, nous allons prendre sur la gauche. J'ai bien dit gauche. Ça va? Tout va bien, on reste calme, police de Marseille. Pousse-toi. Vous les connaissez? Ouais, c'est un ancien élève à moi.
Bon, bah, je vais rentrer à pied, moi.